Franklin. Bah, il m'appelle Franklin. Parce que c'est ça d'avoir un prénom original, il n'y a pas vraiment de surnom. C'est directeur des investissements. Ce que je fais, c'est que j'essaie d'avoir un investissement sur mesure pour chaque épargnant, en fonction du coup de sa situation, ses convictions. Et donc, je vais choisir quel fonds on va mettre dans son portefeuille et en quelle proportion et comment on va réagir aux déviations de marché ou autre. Architecte, je dirais. Ça, c'était quelque chose qui est né un peu des Lego ou autre. Enfin, je vois, c'était l'idée de construire quelque chose. Alors, bah, du coup, oui, chez Nalo, je fais de l'architecture, mais deux portefeuilles, quoi. Donc, c'est pas exactement la même chose, mais on retrouve un peu ce côté puzzle, en tout cas, de dire, il y a des contraintes, et essayer de faire la meilleure chose possible avec avec ce qu'on a à disposition. Oui, c'est un peu les jeux de société. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec ma femme, mes amis, même ma famille. Et du coup, surtout les jeux de stratégie, un peu se creuser la tête, essayer de trouver la meilleure stratégie pour développer une ville ou autre. Toujours des univers intéressants et très sympas. Je t'ai raconté la fois où j'ai fait repousser une épreuve de concours de prépa pour 6 000 personnes. Alors, en fait, j'étais blessé. J'avais le bras dans le plâtre et donc j'étais dans une salle à part. Et on m'a amené un jour, on m'a amené le sujet du lendemain. Ça, je m'en suis rendu compte qu'au bout d'une heure. Et donc, il n'y avait pas de sujet de secours. Donc, on a dû repousser l'épreuve au samedi suivant, sachant que 70% des gens devaient être en vacances le vendredi. Et donc, ça a repris une journée grâce à. En partie à cause de moi, quoi, on va dire. Peut-être la cuisine, pour le coup, à savoir, j'aime bien passer des heures en cuisine, que ce soit pour préparer un petit plat ou à mijoter ou alors un dessert en pâtisserie. Encore mieux depuis que je mets avec mon fils. C'est ça, pourquoi j'ai pris que des trucs anglais, en fait, je me mets une balle dans le pied, quoi, c'est pas possible. Ok, alors il y a I Get Around des Beach Boys, il y a Feeling Good de Nina Simone. Et ensuite, avec Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye. Et en quatrième, j'ai la chanson du rangement. En ce moment, je l'écoute pas mal. C'est magique. Au centre de loisirs, ils ont dû conditionner mon fils. Dès qu'on la met, il range. Donc, je la conseille. Des fruits de mer. Ouais. Des fruits de mer ou en particulier des huîtres. Ça, c'est un truc que j'ai depuis que je suis tout petit. Moi, je suis né en bord de mer, etc. Et j'y ai passé mon enfance. Donc, ouais. Le truc qui me fait retomber en enfance, c'est de faire des Lego avec mon fils. Moi, j'étais un gros fan de Lego, j'avais des caisses entières, je pouvais passer des heures à en faire. Et là, je vois qu'il commence à en faire. Bon, pour l'instant, c'est les diplômes, mais ouais, ça, c'est. On voit tout de l'architecture. C'est ça, en fil rouge, l'architecture. Merci à tous, c'était un plaisir de faire la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.